Donc, comme vous le savez, dans moins d'une heure, l'Olympique de Marseille recevra le FC Hyères à Martigues. Le groupe d'Igor Tudor, des 20 joueurs sélectionnés pour cette rencontre, vient de tomber, avec notamment plusieurs absents et les débuts de quelques jeunes. Donc voici les 20 joueurs retenus par Igor Tudor pour affronter le FC Hyères ce samedi à 15h30. On peut notamment noter les absences de Samuel Gigot, qui est en pleine récupération de sa commotion cérébrale obtenue contre Toulouse, Nuno Tavares, qui est suspendu 3 matchs, Jonathan Clauss, qui est également en pleine récupération et en train de soigner sa blessure aux adducteurs obtenue contre le MHSC, et Dimitri Payet, qui est actuellement toujours en soins et qui est laissé au repos, qui est ménagé pour cette rencontre. On retrouve trois jeunes débutants dans le groupe, en plus de Salim Ben Seguir et de Simon Nkapetoubou et de Partou Guelmaz, le milieu défensif comorien Rayman Daou, 18 ans, l'ailier droit suisse Ezeï Djebertsissous et l'anglais Emran Soglo, 18 ans pour Daoué Djebertsissous et 17 ans pour Soglo, vont pour la toute première fois être retenus en tant que professionnels. Donc voici les 20 joueurs retenus. Donc nous avons Paulo Lopez, Ruben Blanco et Simon Nkapetoubou en poste de gardien. On peut notamment retenir que Igor Tudor nous a annoncé que Ruben Blanco débuterait titulaire. Défenseur, donc on aura Mbemba, Balerdi, Kolasinac, Caboret et Bailly. Milieu de terrain sélectionné, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Matteo Guendouzi, Pape Gay, Partou Guelmaz, Daou et Soglo. Attaquant, Sengiz Under, Alexis Sanchez, Bamba Dieng. Et on peut noter aussi également qu'il débutera titulaire tout à l'heure. On n'a pas encore la coupe officielle, mais Igor Tudor nous a annoncé en conférence de presse que Ruben Blanco et que Bamba Dieng débuteraient titulaires. Salim Ben Seguir et Djebertsissous. Donc je rappelle les absents. Donc nous avons Amine Harit, ça nous le savons. Jonathan Clauss et Gigot qui sont en pleine récupération de leurs blessures. Nuno Tavares qui est suspendu. Et Dimitri Payet qui est ménagé, qui est laissé au repos.